Jerry, qu'est-ce que tu fais? Chut! Je déchiffre le code de Nemo. Mais tu as son parchemin. Il y a une séquence de 3 chiffres. Chut! Un espion a besoin de silence. Laisse-moi réfléchir. Ah! Le parchemin de Nemo. Il y a une séquence de 3 chiffres. 8, 15, 6. Ha! Je suis formidable, hein? Ouais. Génial! Bienvenue au Temple de la renommée médicale canadienne, unique en son genre dans le monde. Fondé en 1994, il célèbre les Canadiens qui ont sauvé des vies et amélioré la santé des gens partout dans le monde. Et des rats musqués? Bien sûr. Au Temple de la renommée du hockey, le fils du Dr. Calvin Stiller lui a demandé « Papa, s'il y a un temple du hockey, pourquoi pas un temple de la médecine? » Des personnes importantes de London ont aimé l'idée, alors ils l'ont réalisé. Hey, c'est mon copain Fred de la Première Guerre! On l'appelle Sir Frederick Banting maintenant, lauréat du prix Nobel avec le Dr. John McLeod pour leur découverte de l'insuline. Insuline? Tu aides ma mère à gérer son diabète! Trop cool, mon vieux! Merci, mon vieux. Le temple est ici, dans l'édifice historique J. Allen Taylor, au cœur de la ville de London, en Ontario. Oh non, c'est Bobby Raton! Je vais aller voir ce qu'il a volé dans la chambre forte. Les gens qui apparaissent sur ces murs viennent de partout au Canada, de la ville et de la campagne, et de nombreux milieux différents. Mais dès leur jeune âge, ils ont tous eu la piqûre des sciences et ont voulu aider les autres. Wow! Il y a une incroyable mine d'infos là-dedans! Tu n'y as que passé 12 secondes. Que pourrais-tu avoir appris? Ben, que la Dr. Vera Peters a été pionnière des traitements du lymphome de Hodgkin et du cancer du sein. Les hommes médecins ne la croyaient pas, mais elle l'a prouvé. Et que les docteurs James Till et Ernest McCullough ont découvert les cellules souches. Super important parce que les gens qui ont la leucémie peuvent recevoir des greffes de moelle osseuse. Que la mère du docteur Armand Frappier est morte de tuberculose et qu'il a alors inventé un vaccin qui a sauvé des millions de vies. Que le neurochirurgien Charles Tatter a fait des recherches dont découlent de nouveaux modes de prévention des blessures de la moelle épinière. Que chaque lauréat du temple est comme un super-héros qui trouve des solutions en pensant autrement, en travaillant avec les autres et en fonçant quoi qu'il arrive. Phew! Wow! Tu apprends vite, toi. Ben, je suis un super-héros après tout. Le pouvoir de la science. Le capitaine Nemo va adorer. Le temple de la renommée médicale canadienne inspire la prochaine génération de super-héros et fournit des modèles aux jeunes de partout. Ah! Bon, d'accord. Aux rats musqués aussi. Wow! Tu apprends vite, toi! Merci, Jerry.